Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est mercredi. Je suis très mélangée dans mes dates parce que je reviens de voyage. C'est mon premier jour, en fait, depuis mon retour d'Amsterdam. Je me suis levée assez tôt un matin avec le décalage. 6h30, je pense que j'avais pas fait ça depuis genre le secondaire. Non, c'est une joke là quand même, mais c'est vrai que c'était plus tôt, mais j'ai pas eu de misère à me lever du tout. En fait, ce qui m'a beaucoup réveillée, je sais pas si on le voit d'ici, non? Mon détecteur de fumée, pardon. Il est genre là, là. En tout cas, il s'est mis à bipper. Puis ça avait fait ça une fois aussi avant que je parte en voyage. Ça fait juste comme bip. Mais ça me stresse à chaque fois. Ben, je me dis, ben voyons, il n'y a pas de feu. C'est juste que soit il est très défectueux. Mais je pense en fait que c'est la batterie. C'est comme un signal en fait qu'elle commence à être pas bonne. Puis qu'il faut la changer justement avant qu'il soit trop tard. En tout cas, bref, ça me stressait un matin que ça s'est mis à bipper comme ça. Fait que ça m'a comme vraiment forcé à me lever. Puis là, c'est drôle parce qu'hier, c'était comme mon gros dilemme. Genre, est-ce que, vu que j'étais rentrée vers 6h, est-ce que je travaillais le soir? Parce que, genre, ma comptabilité de septembre s'en vient urgente. Est-ce que je travaille? Puis je me couche à mon heure habituelle qui est genre vers minuit, puis là je me lève aujourd'hui mettons 7h30, ou je me couche full tôt avec Pat à 9h30, chose que je fais jamais, puis je me lève tôt puis je vais être full productive. Bon ben vous savez quoi, c'est ce que j'ai fait, mais je ne suis pas full productive aujourd'hui. Ça arrive, écoutez, de toute façon les journées que je vlog, on dirait que je peux jamais être comme full productive, mais il y a deux buts aujourd'hui à ce vlog-ci, vu que c'est un retour de voyage, on dirait que j'ai pas tant de choses à vous raconter. Mais la première chose que je voulais faire en vlog avec vous un matin, c'était de faire le ménage post-voyage, parce que je peux vous montrer, c'est désastreux. J'ai des affaires qui traînent genre partout à cause que mes bagages sont à moitié défaits. J'ai tout le stock ici de mon tri que j'ai fait avec PL, qu'il faut encore que j'organise, que je prenne le temps pour ça. Pour vrai, la maison est juste comme ça, partout en fait, fait que je voulais faire comme un petit speed cleaning avec vous parce que je sais que vous aimez ça, moi aussi j'adore ça voir ça en vlog. On dirait que c'est toujours drôle quand je le dis, mais c'est vrai, c'est genre full satisfaisant de voir des accélérés de ménage, fait que je me suis dit que j'allais commencer par faire ça aujourd'hui avec vous, vu que ben c'est dû de toute façon. Et la deuxième chose que je veux faire avec vous aujourd'hui, c'est une petite intrusion un peu plus personnelle si on veut, parce que j'ai envie d'en faire de temps en temps dans mes vlogs, faire comme des vlogs des fois un peu hors série, mettons qu'il se passe rien de spécial dans ma vie. Juste prendre le temps de décortiquer un sujet avec vous, de parler des fois de choses, je sais pas, quand je file pas par exemple, ou des choses comme ça. Tu sais, récemment j'ai dit que je voulais parler d'enfants dans un vlog et tout, fait que j'ai comme, je sais pas, je me sens confortable après quoi, 2 ans, 3 ans de vlogger quotidiennement ma vie devant vous, à vous partager certaines choses plus personnelles que je pense que vous pourriez trouver intéressantes. En tout cas, j'avais envie de l'essayer un petit peu aussi aujourd'hui avec ce vlog-ci, qui en passant est en collaboration avec l'émission Un vrai selfie, produit par UniTV. Je sais pas si vous avez déjà regardé ça, moi c'est une série que je connaissais déjà, je l'avais regardée quand c'était sorti au début, parce que là on est déjà à la saison 2 dans le fond, puis j'avais bien aimé, mais je manque de temps. Écoutez, vous savez, il y a pas grand série ou émission en général que j'ai le temps de comme binge watch et écouter comme je le souhaiterais, parce que je travaille beaucoup. Mais là, avec la collaboration, j'ai eu accès à la saison 2 un petit peu en avance, puis j'ai commencé à regarder, puis j'aime toujours autant ça parce que ça parle de psychologie. En fait, si vous savez pas c'est quoi le synopsis, c'est 8 jeunes Canadiens qui vivent des difficultés niveau plus psycho, là, santé mentale, donc par exemple de l'anxiété, de la dépression, des troubles alimentaires, des addictions, des choses comme ça. Puis moi, je trouve ça vraiment intéressant parce que ils vont se livrer à une caméra comme je fais en ce moment, en toute intimité si on veut, sans jugement. C'est du vrai, c'est du pur, ça part vraiment d'une volonté de leur part, vraiment beaucoup de courage aussi je trouve de se montrer vulnérable comme ça. Puis à chaque semaine il y a une rencontre en groupe avec une psychologue qui va les aider à cheminer, et on voit leur évolution sur 10 semaines, et c'est ça que je trouve merveilleux et tellement inspirant. Tu sais, moi je vous en ai parlé souvent récemment, mais en ce moment j'ai beaucoup de proches qui ont des difficultés justement psychologiques, qui ont des troubles de santé mentale justement comme l'anxiété, c'est un thème assez récurrent chez mes proches, et d'écouter des émissions comme ça, moi ça m'aide un petit peu à voir de quelle façon je peux communiquer avec eux là-dessus, parce que je le sais pas sinon naturellement des fois on a peur d'être comme juste indélicat là, tu sais, fait que ça donne des bons outils, puis c'est ça, je trouve juste ça comme super inspirant comme série. Donc si ça vous intéresse aussi un peu tout l'aspect psychologique puis la communication et tout ça, je vous invite fortement à aller regarder l'émission. Je vais mettre le lien dans ma barre d'infos justement. Donc c'est dispo à partir de maintenant pour Binge Watch. Si vous aimez ça, vous regardez des émissions en rafale, ben là, pas besoin d'attendre à la prochaine semaine. Donc un petit peu plus tard dans le vlog, on va se retrouver pour une partie justement plus psycho. Je me suis demandé quel aspect aborder avec vous, quelle difficulté ou quel côté de ma personnalité j'avais envie de vous dévoiler un peu plus. Puis j'en ai trouvé un que je pense pas que ça se voit nécessairement à travers la caméra tant que ça. Donc j'avais comme envie tantôt de parler d'hypersensibilité,
sensibilité avec vous. C'est pas quelque chose qu'on parle souvent, on dirait, puis en tant que fille hyper sensible, j'ai comme envie de pouvoir connecter peut-être avec d'autres gens qui vivent ça. Et si vous vivez pas ça, écoutez quand même, je pense que ça peut être intéressant et pertinent. J'ai vraiment pensé à plusieurs choses que je pourrais vous parler. J'ai plusieurs idées, mais il y en a que je vous ai déjà parlé par exemple sur le blog ou ailleurs, donc j'ai choisi d'exploiter ce côté-là de ma personne que vous connaissez pas tant que ça, je pense. Et c'est ça, j'espère qu'on va avoir une belle discussion là-dessus qui va s'en suivre. Donc c'est pas mal ça pour aujourd'hui, ça va être moitié vlog régulier, moitié vlog un peu hors série comme ça, des vlogs un peu psycho où je parle d'une certaine chose en particulier. J'ai le goût d'en faire depuis un petit bout de temps. Fait que j'espère que vous allez aimer ça, puis si tout ça vous intéresse, ben restez là parce que c'est parti! Ok Google, joue de la musique pop! Bien sûr, voici une chaîne de musique intitulée... Je fais tout le temps ça pour faire mon ménage, pour me motiver, je suis comme go, mets-moi de la bonne musique, on part! Êtes-vous prêts? C'est parti! Dîner à mon bureau avec l'émission. Je vais dormir collé. C'est sûr, je prends des activants. Au niveau de l'anxiété, comment ça s'est passé? Sur le coup, j'étais comme... Puis je mange la meilleure pizza au monde pour dîner. Cette pizza froide-là avec full olive, elle est écœurante. C'est parti. C'est fou triste. Ok, j'ai oublié de vous dire, mais oui, il faut être dans un certain mindset pour écouter l'émission parce que pour vrai, c'est tellement touchant. Le Patrick de Caraquette avec son accent, je craque. Je trouve ça tellement cute, cet accent-là. Bon, là, je suis en train de me faire des petites notes pour voir de quoi je vais vous parler. Ben, pas de quoi je vais vous parler, mais plus comment je vais vous en parler parce que c'est carrément spontané, mon affaire. Fait qu'il faut comme que je me mette un peu dedans, comprenez-vous? C'est parce que c'est ça l'affaire, dans le fond. L'hypersensibilité, c'est pas nécessairement... handicapant. Je pense que pour moi, ça l'a déjà plus été. Donc, j'ai essayé de faire comme une rétrospective. Pardon, je viens de voir que vous êtes trop blasté. Voilà, c'est mieux. Des différents moments dans ma vie, puis plutôt comment ça se présente pour moi, qu'est-ce que je pense de ça, comment je deal avec ça. Vous voyez, genre, c'est un peu de ça qu'on va parler. Premièrement, je pense qu'on peut dire que j'ai tout le temps été quelqu'un de sensible, enfant, en grandissant. Mais un jour, j'ai comme lu le mot hypersensible, la définition et tout ça, puis j'étais genre... Ah, c'est drette ça. En fait, je suis plus que sensible, je suis hyper sensible parce que je me reconnais là-dedans dans différentes situations. J'ai pas de définition sous les yeux, mais l'autre fois j'avais piné des choses sur Pinterest que je trouvais que ça avait vraiment rapport avec ça. J'avais vu entre autres une phrase en anglais, je vais vous la traduire, mais ça disait que les gens très sensibles expérimentent le monde différemment des autres. Ils disent que c'est à cause d'une différence biologique. I don't know if it's biologique, psychologique, mais tout ce que je sais c'est que c'est comme ça fait partie de ton ADN, de ton être. Tu sais, ça te définit vraiment, je trouve. Ça dit ça, les gens très sensibles sont plus conscients des subtilités et vont processer différemment l'information, donc plus profondément, j'essaie de traduire là. Et ils ont tendance à être créatifs
insightful, ça je sais pas c'est quoi, et empathique, mais ils sont aussi plus prone, plus, comment dire, sujet au stress et à être overwhelmed. Et ça, c'est des mots que je prononce souvent dans ma vie, stress et overwhelmed. C'est vraiment drôle, hein, parce que je trouve que c'est très juste par rapport à moi. J'ai tout le temps été aussi un enfant très créatif quand j'étais jeune, j'avais même gagné une médaille pour ça au camp de jour. Je me rappelle encore, ouais, j'ai tout le temps été comme quelqu'un de très artistique, très créatif aussi. Et tu sais, on dit en général, on dit de manière générale que les artistes c'est des gens sensibles. C'est effectivement quelque chose que je pense. Je pense pas que tu peux être artiste si t'as pas une once de sensibilité en toi. Ça fait aucun sens. Et là, je suis juste en train de lire d'autres trucs que j'ai pinés, puis ça a vraiment rapport avec ça. C'est genre des petites quotes de même, mais celui-là il dit I'm sensitive, I love deeply. Moi, j'ai tout le temps été quelqu'un qui aime très profondément, j'aime passionnément la vie, j'aime passionnément les gens quand je décide d'aimer quelqu'un. I think deeply about life, ça c'est vrai. Depuis que je suis jeune, je suis très philosophe, tu sais, je me pose beaucoup de questions sur la vie, vraiment tout le sens de la vie, des choses comme ça. Donc encore là, si t'es pas quelqu'un de sensible, je vois pas comment tu peux avoir un peu cette dimension-là plus spirituelle, vous comprenez ce que je veux dire? Ça dit que je suis honnête, loyale et vraie. C'est très vrai, je suis pas capable de mentir. Puis bref, je vais regarder d'autres pour voir. J'avais même trouvé un petit graphique qui disait, là je vous raconte juste ça pour voir, peut-être que vous allez vous reconnaître là-dedans ou pas du tout, parce que clairement il y a des gens dans la vie qui sont plus sensibles que d'autres, ou qui se laissent être plus sensibles que d'autres aussi, j'ai envie de dire. Donc celles-là ils disent what being highly sensitive really means, donc qu'est-ce que ça veut dire être hautement sensible. Puis là il y a comme une roue avec beaucoup d'adjectifs qui décrit ça, donc encore là, empathie, intuition, créativité, visionnaire, deep listener, genre quelqu'un qui écoute bien, qui écoute beaucoup, deep thinker aussi, quelqu'un qui pense beaucoup, c'est mon cas, très spirituel, quelqu'un qui ressent les choses profondément, quelqu'un qui va être bon en général avec les langues, quelqu'un qui croit en la justice et qui a une conscience vraiment des détails et des subtilités, encore une fois. Puis moi j'ai l'impression que je suis tout le temps la personne dans un groupe qui va voir des petites affaires, des petites subtilités. Je pensais vraiment que c'était en étant maquilleuse que j'ai comme développé mon œil, mais pas nécessairement, parce que l'autre fois j'avais lu quelque chose de bien intéressant aussi qui disait que les gens timides, on a un très bon sens de l'orientation. Et je trouve que c'est vrai, et je trouve ça full intéressant de parler de ça avec vous, parce que je dois pas être la seule timide dans ma ville, dans mon pays. Mais je l'ai toujours été, ça aussi, ça s'améliore avec le temps. Mais c'est vrai, parce que quand t'es timide, des fois t'es plus effacé, mais c'est à ce moment-là que tu développes des skills d'observation, par exemple. Donc plus je grandis, plus je trouve que j'ai un très bon sens de l'observation, un très bon sens de spotter des petits détails, des petits twists que les autres verront pas immédiatement, si on veut. Fait que pour moi, c'est ça, quelqu'un d'hypersensible un peu. C'est vraiment juste que tu vas tout ressentir un peu plus fort que la norme, que la moyenne, si on veut. Tu sais, mettons que quelqu'un pleure devant moi, même si à la télé, par exemple, je vais avoir tendance à réagir instantanément puis à pleurer moi aussi. Donc c'est ça l'espèce de compassion aussi qui parlait tantôt. Mais même avec les émotions en général, j'ai tendance à être un peu un caméléon avec les émotions puis les énergies des gens. Donc tout dépendant du groupe dans lequel je suis, si c'est en mode party, je vais être en mode party, mais si on est plus comme one-on-one en mode confidence, tu sais, je vais être super calme aussi. Puis c'est pour ça des fois, comme quand vous me croisez, vous les abonnés dans le métro par exemple, puis vous me surprenez, je peux être timide sur le coup parce que j'étais comme dans ma bulle, dans ma tête. Puis vous allez des fois me dire oh mon dieu, t'es plus calme en vrai, tu sais. Ça, je pense en fait que c'est comme ça pour tous les youtubers first. Mais c'est aussi que selon les situations, je vais m'adapter. Donc forcément, si je fais une vidéo, je vais mettre un peu plus d'entrain que si je suis en train d'écouter de la musique dans le métro, tu sais. Après ça, ça me dérange pas quand vous venez me parler, ça me fait vraiment plaisir. J'aime mieux que vous veniez me parler que vous faites comme ah pss, pss, à votre ami, genre en me pointant. C'est très malaisant pour moi. Ça, c'est une autre chose que je vous ai peut-être jamais vraiment parlé, mais j'ai fait de l'anxiété sociale longtemps. Ça disparaît, ça aussi. C'est comme la timidité. Les deux s'en vont de ma vie tranquillement, mais il reste toujours des petits résidus. Donc ça, j'en parlerai pas en détail aujourd'hui. C'était vraiment plus pour parler d'hypersensibilité, voir combien de gens dans la société peut-être le sont aussi, parce que des fois j'ai l'impression d'être tout seul, puis c'est là que ça fait mal un peu, je dirais. Ok, pause. Là, ma carte mémoire était pleine, fait que je l'ai mis dans l'ordi, puis pendant ce temps-là, j'étais en train de chercher d'autres affaires, genre d'autres informations sur le sujet. Pis c'est fou, genre, j'avais jamais vraiment fait la grosse recherche, puis tout ce que je trouve, ça me correspond. Genre pour ma question de tantôt, là, de combien de gens dans la société le seraient, je vois un fait ici qui dirait 1 sur 5, à peu près 15 à 20% de la population mondiale seraient des personnes hautement sensibles. Il parle encore de l'intuition, de l'empathie, du fait qu'on est beaucoup émotionnel, qu'on est facilement blessé. Born with it, ce que je vous disais tantôt, je suis de même depuis que je suis jeune, que c'est ça, que ça serait un trait peut-être
peut-être irritable, ça se dit, ouais. Ça dit aussi qu'on aurait tendance à comprendre bien les gens, encore là, parce qu'on voit la subtilité dans la communication des autres. Ça, c'est intéressant aussi, ça dit « rich inner life », qu'on est connu, genre, pour avoir développé une grande vie intérieure, et qu'à cause de ça, on aime ça avoir des conversations profondes avec les autres. Oh my god! Ok, vous avez pas idée comment ça me correspond. Quand j'étais plus jeune, j'avais de la misère à me faire des amis pendant un certain bout de temps, et peut-être c'est une des conséquences de ça ou du fait que je suis sensible, mais j'ai beaucoup développé, comment on dit ça, ben le développement intérieur, c'est tout ce qui concerne ça. J'ai lu beaucoup de livres, genre en secondaire 1 je lisais des livres sur la timidité, l'anxiété sociale, tout ce que je vivais, je voulais comme l'améliorer, puis j'étais comme ma propre psychologue un peu si on voulait. Je l'étais aussi pour mes amis, parce que c'est un compliment qu'on m'a donné souvent dans la vie, que j'étais une bonne psychologue. Puis là, je me rends compte peut-être de où ça vient, mon sens de l'observation puis de l'écoute. Puis j'ai vraiment tout le temps été attirée aussi par les trucs spirituels, genre, tu sais, là, on dirait que ça revient à mode, l'astrologie puis tout ça. Bon, ça pour moi, c'est de l'ésotérisme, là, c'est pas du spirituel. Mais, tu sais, même les roches, là, tu sais, comme les quartz, là, que tout le monde capote un petit peu avec ça en ce moment. Genre, je lisais des livres là-dessus en 5e année au primaire. Je me faisais vraiment juger, mais j'avais le goût de lire sur plein de sujets différents puis juste m'instruire. En tout cas, bref, je trouve ça très drôle, ça. Puis genre, je lisais des livres sur les chakras puis juste la spiritualité en général, la méditation, des choses comme ça quand j'étais comme en 6e année, comme j'avais 11 ans je pense. Fait que je trouve ça quand même tôt pour s'intéresser à ça, au sens où souvent c'est plus quand t'es adulte que tu découvres ça, mais il y a personne qui m'a vraiment influencée, j'ai juste comme tout le temps eu un intérêt pour ça. Donc la spiritualité au sens large, mais incluant aussi tout ce qui est développement personnel, là, la vie intérieure comme qu'ils appellent. Puis je trouve ça vraiment drôle qu'ils disent qu'on aime ça avoir des conversations deep avec les autres, parce que c'était un problème que j'avais justement au secondaire lié avec le fait que j'avais de la misère à faire amis avec les gens. C'est que quand je me tenais avec une gang d'amis, par exemple même la gang d'amis que je vois encore aujourd'hui du secondaire, les conversations étaient très légères, très en surface, et c'est normal parce que on se voyait à la cafétéria pendant comme 20 minutes. Donc c'est sûr qu'on n'allait pas se mettre à parler de sujets deep, mais c'est que moi je me suis rendu compte avec le temps que c'est comme ça que je connecte avec quelqu'un. Tu sais, il y a plein de gens que j'adore, mettons d'autres youtubeurs, tout ça, qu'on se voit dans des événements puis ça clique là, mais je pourrais pas dire que je suis vraiment amie avec cette personne-là tant que j'ai pas été one-on-one avec elle puis qu'on n'a pas eu une conversation deep des deux côtés idéalement, tu sais. C'est vraiment comme ça que je m'attache aux gens, c'est pas seulement en faisant, c'est ça, du social de day-to-day, là, je sais pas comment dire. Puis j'ai tout le temps pensé que c'était de ma faute, que, tu sais, je sais pas. Mais de voir tout ça en perspective puis comprendre qu'est-ce qui fait que, hein, ben je trouve que ça apaise beaucoup en fait. Je parlerai pas plus d'amitié aujourd'hui, je sais que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus sur ma chaîne principale, Les Amis et l'École, je pense que ça s'appelait. Fait que si ça vous intéresse, si vous avez pas un cercle social très développé, je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo-là, parce que peut-être que vous allez vous sentir moins seul après l'avoir visionné. J'espère que vous trouvez ça intéressant, surtout si vous l'êtes aussi, puisque j'avais jamais fait de recherche là-dessus, comme je disais, puis là je suis comme, oh my god, tout ce que je lis, c'est vrai. Le côté easy overwhelm, là, qui parle, là, moi c'est ça. Je suis pas anxieuse dans la vie, mais j'ai tendance à être stressée, parce que quand je vois beaucoup de choses arriver devant moi, ou maintenant, mettons, trop d'objets dans la maison, des affaires comme ça, ça me rend comme dépassée facilement. Et ça dit aussi qu'on s'engage dans les problèmes des autres. Ça, c'est vrai que j'ai tendance à le faire quand même. J'essaie vraiment d'aider les autres quand je peux. Genre, je m'intéresse à ce qu'ils vivent, puis je veux leur amener des outils pour les aider à avancer, dans le fond. Un autre post ici qui dit qu'on a tendance à être philosophe, ce que je vous disais tantôt, c'est drôle, ou spirituel dans notre orientation, plus que matérialiste ou hédonistique, ça, je sais plus c'est quoi. Le plaisir, Edo, ouais, je pense que c'est ça. On n'aime pas les small talk. C'est vraiment vrai, j'ai de la misère avec ça. Des fois, si j'ai rien à dire, je suis comme, oh. On a tendance à rêver très fort. Je sais pas s'ils veulent dire comme la nuit ou dans le jour, mais moi, les deux, c'est vrai. On aime la musique, la nature, l'art, la beauté physique. Ah ah, peut-être c'est pour ça que je suis là-dedans. Ah, puis j'ai perdu un des trucs que j'ai lu aussi, mais ça disait qu'on était comme lent à prendre des décisions parce qu'on a besoin comme de se retirer pour analyser, puis ça c'est vraiment vrai. Il y a plein des affaires, plein des situations dans ma vie où je savais comme pas comment réagir ou pas quoi répondre à quelqu'un, fait que là, tu sais, j'avais besoin d'un petit step back, là, prendre du recul, puis après ça, tout s'enliguait, puis des fois je voyais là toutes les subtilités que je me disais, oh mon dieu, ok, là j'interprète la situation différemment, puis là je réagis comme il faut, mettons. Là je vais vous donner des exemples peut-être un peu plus concrets. Moi j'ai tout le temps été quelqu'un qui pleure facilement, j'en ai parlé un peu tantôt, comment j'absorbe, tu sais, les émotions des autres et tout. Mais à l'école par exemple, comme j'ai tout le temps été une bonne élève, c'est au primaire, le prof me réprimandait en public, dire Cynthia, tu arrêtes de parler, quelque chose comme ça. Oh boy, que ça m'affectait, là, comme beaucoup plus que ça...
que ça devrait, et je pense qu'il y a sûrement un petit lien avec ça, parce qu'au primaire, j'étais pas encore quelqu'un de timide, vraiment, je dirais, donc je pense que c'est vraiment un rapport avec ça, au-delà de juste le désir de plaire à ton prof, ou plutôt de pas déplaire. J'avais vraiment beaucoup, beaucoup de misère, c'est ça, quand l'attention était tournée vers moi, puis surtout quand on me réprimandait pour quelque chose, parce que ça arrivait jamais, je savais comme pas comment dealer avec mes émotions sur le coup quand ça arrivait, puis ça m'est sûrement déjà arrivé, là, de carrément pleurer parce que j'avais comme honte, là. Fait que ouais, j'ai jamais été quelqu'un de très bonne pour cacher ses émotions, puis où ça m'a nui, on dirait, c'est plus en grandissant dans ma vie professionnelle, parce que, je m'excuse là, mais si t'es quelqu'un de sensible ou d'hypersensible, que t'ailles 5 ans ou 25 ans, il y en aura pas de différence, là. Comme, oui, tu vas peut-être te construire une petite carapace avec le temps, avec les années, mais tu vas jamais pouvoir arrêter d'être sensible, si on veut. Donc, quand quelque chose te fait de la peine, quand quelque chose, genre une situation te met vraiment inconfortable, ben ça se peut que tu pleures en public. Et moi, où j'ai de la misère avec ça, c'est par rapport aux autres. La fameuse peur de pleurer en public, la peur surtout d'être jugée par les autres, parce que moi c'est ça que j'ai extrêmement de la misère, je me rends compte, parce que, comme je dis, longtemps j'ai pensé que c'était vraiment un gros défaut d'être hypersensible, maintenant je suis comme biaisée par rapport à ça, je vais vous en reparler après, mais à cause que je suis quelqu'un de sensible, très sensible même, j'ai vraiment de la misère avec les gens qui ne le sont pas, parce qu'on connecte pas à un certain niveau, et là ça bloque, et ouais, j'aurais de la misère, je pense, à devenir très amie avec quelqu'un qui partage pas un petit peu de la sensibilité, de la même façon que moi. Par exemple, justement, dans les cadres professionnels où on pense pas de manière émotionnelle en général, parce que dans c'est business, c'est travail et tout ça, mais moi, il y a des situations des fois que j'ai été confrontée avec d'autres collègues qui m'ont fait ressurgir des émotions, et quand je me mettais à pleurer, voir l'autre personne devant moi stoïque, ça me met très 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 mal. D'autant plus quand c'est une autre femme, je vous dirais. Peut-être que c'est mon petit côté girl power, mais j'ai beaucoup de misère à comprendre comment deux femmes peuvent pas s'entraider. Moi, voir quelqu'un pleurer devant moi, je peux pas... tu sais, je comprends le contexte de travail et tout ça, mais je trouve que ça met l'autre extrêmement mal de comme pas valider ses émotions en restant stoïque puis en faisant comme la gueule complètement. J'ai vécu ça plusieurs fois dans ma vie puis ça me met extrêmement mal parce que c'est ça, c'est comme si mes émotions sont pas valides, pas justifiées. On dit toujours aux gens hypersensibles ou sensibles que il faut pas pleurer, que c'est une faiblesse, que c'est les bébés qui pleurent. Combien de fois qu'on m'a dit ça dans ma vie? Puis que vous soyez un homme ou une femme, ça a aucun rapport, là. Je sais que les petits gars, ils ont grandi avec une mentalité de non, tu sais, toughen up, genre, faut pas que tu pleures, faut quand t'as mal, faut que tu te relèves, nanana. Mais tu sais, je me dis, yo, les émotions, c'est quand même ce qui fait qu'on est humain, là, tu sais, on n'est pas des robots, puis je sais pas, je comprends que des fois, c'est pas sa place, comme, de faire une scène peut-être au travail ou quelque chose comme ça, mais merde, on est humain, on a le droit de vivre nos émotions, tu sais. Moi, en tout cas, je pense qu'il faut les vivre, puis il faut les laisser sortir carrément. Je suis pas pour la façon de garder ça en dedans, parce que je pense qu'à un moment donné, ça explose. Moi, je suis comme ça, donc tout ce que je le vis à fond. Même mes premiers deuils dans la vie, c'était comme ça aussi, tu sais, j'allais pleurer vraiment, vraiment une shot, tout sortir le méchant maintenant pour pas reporter ça à plus tard. Donc ça, pour moi, ça a toujours été comme, tu sais, ça va de soi, c'est comme ça. Mais en grandissant, tu te rends compte que c'est pas tout le monde qui gère ses émotions de la même façon. Et bref, je juste vous dire que, ben c'est ça, encore à l'âge adulte, moi ça m'arrive de pleurer, je trouve pas que je suis un bébé à cause de ça, ça m'énerve quand les gens disent ça, mais pas possible, je comprends pas en fait pourquoi on dit ça aux gens, on m'a souvent dit de me faire une carapace parce que j'étais facilement affectée justement par des commentaires des autres et tout ça, je pense que ça s'est fait naturellement avec le temps, t'sais, j'ai pris de la maturité et tout ça, mais encore aujourd'hui, je veux dire, je suis très sensible quand je suis confrontée à certaines situations, pis j'ai pas envie nécessairement de changer ça, parce que je vois pas ça nécessairement comme quelque chose de négatif maintenant, tu sais. Donc oui, j'ai de la misère quand les gens sont directs avec moi, quand je suis surpris par un commentaire direct, là, que ce soit en personne, ou même quelqu'un qui m'écrit un message sur Facebook, là, ça laisse toujours place à l'incompréhension, la malcompréhension plutôt. Mais quand je sens que l'autre personne, mettons, il y a un fret, j'ai énormément de mal avec ça. Je pense que ça rejoint aussi les personnes timides là, à ce niveau-là. On n'aime pas la confrontation. Je déteste ça personnellement. Avoir un malaise avec quelqu'un, je suis pas capable de laisser ça comme ça. Il faut que j'essaye de régler ça, sinon je suis extrêmement mal. Ça m'est arrivé avec quelqu'un récemment.
la personne m'a parlé un petit peu plus sec sur Facebook, puis j'ai réagi très mal, comme quand j'étais jeune, puis que mon prof me disait quelque chose de spontané, sec. C'est le genre de situation qui peut me faire pleurer ou qui va me faire beaucoup angoisser en tout cas. Je me rappelle d'une fois aussi quand j'étais maquilleuse, j'avais tendance à travailler souvent avec la même photographe au début quand j'étais en train de faire mon portfolio. On avait eu un petit malentendu professionnel, j'ai trouvé comme sa réaction un peu exagérée parce que en tout cas moi j'avais pas perçu les choses comme ça. On s'était parlé au téléphone pour essayer d'expliquer les choses et comme je déteste la confrontation et que j'étais déjà très très sensible quand la personne m'a appelée, ben je me suis mis à pleurer au bout de la ligne. Pour moi c'était comme, je sais pas, ça sort comme ça en fait, c'est que tu peux pas le contrôler. J'ai beau essayer, tu vas entendre l'émotion dans ma voix. Moi je suis un livre ouvert là, comme s'il se passe quelque chose puis vous êtes devant moi là, vous allez vraiment le savoir parce que ma face peut absolument rien cacher. Donc je vis mes émotions et c'est comme ça, tu sais. Fait que je me mettais à pleurer, mais l'autre fille, aucune empathie. Aucune, je sais pas comment dire, adaptation là, à la situation. Elle restait très très froide et ben on dirait que c'est empire dans ces situations-là parce que ben c'est ça, tu te sens pas valide, t'sais. Oh là là, fait que ça a été la fin d'une amitié et d'une relation de travail pour vous donner un exemple parce que ben c'est ça, on s'est comme rendu compte que ah ok, à ce niveau-là, ça connecte pas. Puis tu sais, je sais pas, en même temps, est-ce que moi j'ai de l'expérience d'être une boss, quelqu'un qui engage des gens? J'ai pas été dans cette position-là que quelqu'un me déçoit, mettons, faut que je la confronte. Puis la personne, elle se met à pleurer devant moi, comment je réagis, tu sais, est-ce qu'il faut que je garde mon sang-froid comme niveau professionnel et tout. Ça m'est peut-être jamais vraiment arrivé comme ça, mais j'ai quand même l'impression que si la personne se met à pleurer, tout ça, je suis quand même capable d'emmener de la douceur dans la discussion. Fait que bref, ça c'est quelque chose que moi j'ai la misère, je sais pas si vous êtes hypersensible, si vous allez vous retrouver aussi là-dedans, mais c'est juste que parce que je suis quelqu'un de très très douce, jamais je suis brusque avec les gens. C'est comme si je m'attends au même traitement en retour, alors que c'est vraiment pas le cas, là. T'sais, il y a beaucoup de gens qui sont pas capables d'avoir du tact. Et donc, en tant que personne sensible, là, ça me fait de la peine. On pourrait dire qu'en général, j'ai vraiment de la misère avec les gens qui sont très secs, très froids, qui montrent pas du tout leurs émotions et tout ça. C'est comme si, je sais pas, j'arrive pas à saisir ces gens-là vraiment, qui ils sont vraiment. Puis tu sais, peut-être que vous êtes comme ça, puis ça vous dérange pas d'être comme ça, là, je veux dire, chacun fait ce qu'il veut. Mais tout ce que je voudrais vous faire réaliser aujourd'hui, c'est que il y a des gens sensibles dans la vie. Pleurer, c'est pas la fin du monde, ça veut juste dire exprimer ses émotions. En fait, on dit qu'on pleure quand c'est tellement triste une situation que les mots viennent pas. Puis je trouve que c'est exactement ça. Quand tu te mets à pleurer, c'est parce que là, ton cerveau comme trouve pas d'autre façon de s'exprimer en mots, par exemple. Donc ça va sortir comme ça, puis je trouve que ça fait tellement du bien une fois que t'as pleuré qu'il faudrait pas s'en priver dans la vie. Je sais qu'il y a des gens naturellement qui pleurent moins que d'autres, je vous rassure, ça m'arrive très rarement de pleurer juste quand il y a des affaires tristes. Je pleure moins que quand j'étais ado par exemple, où j'étais très sensible et très confrontée à toutes sortes de situations changeantes là, de la vie d'adolescente. Mais c'est ça, tout ça pour dire que ça m'arrive encore de pleurer quand je suis surprise en public, quand je suis mal à l'aise, c'est des choses négatives spontanées. Mais ça se peut que ce soit ma façon de réagir ou tu sais, même quand je me fais mal, je vais pleurer très spontanément. Et moi, j'ai pas de problème avec ça parce que c'est comme ça que je vis mes émotions. Mais où j'ai de la misère, c'est les gens qui me jugent pour ça. Je sais pas, moi quand je vois quelqu'un pleurer, je ressens de l'empathie pour cette personne-là parce que je comprends qu'elle se sent vraiment pas bien. Mais peu importe la situation, là, vraiment, là, fait que... Bref, c'est un petit peu ça que je voulais vous dire. Je suis quelqu'un de très sensible, donc c'est ça, je vais pleurer dans des situations d'adultes où il faudrait pas. Mais moi je trouve que c'est ce qui fait qu'on est beaux les humains, c'est qu'on n'est pas des robots puis qu'on vit des choses. Puis je me suis jamais privée de vivre ces choses-là, c'est juste que par rapport aux autres ça me rend des fois mal à l'aise. Donc c'est peut-être ça mon message aujourd'hui pour les gens qui sont pas sensibles du tout. Ça serait de respecter que les autres ont le droit de l'être puis arrêter de dire « pleure pas, t'es juste un bébé », là, ça, cette phrase-là, je suis pas capable. Personnellement, je suis pas capable. Mais sinon, comme je dis, je vois ça plus positivement maintenant. Je comprends que ma sensibilité m'emmène à être créative et donc m'emmène à faire tout ce que je fais aujourd'hui, à avoir toutes les belles idées de projets que j'ai, toutes les vidéos que je fais. J'ai toujours des idées, puis ça, ben c'est ça, je remercie mon trait de personnalité pour ça. Puis juste tout ce que je viens de vous dire, tu sais, au sens où moi, ça me dérange pas, même dans une certaine proportion, je vais être fière de vivre intensément comme je le suis, puis de laisser parler mes émotions. Pour moi, c'est positif parce que ça veut dire qu'on est humain, tu sais, puis je sais pas créer, il me semble que ça se fait via les émotions. On est tous, je pense, des créateurs, c'est juste que des fois c'est plus endormi chez certaines personnes, peut-être parce qu'ils se laissent pas justement vivre tout ça, mais je pense que c'est naturellement, on n'est pas nés tous avec la même
sensibilité. La mienne est élevée. J'aime pas ça quand ça me confronte à des situations négatives comme je viens de vous parler, mais le reste du temps, en fait, je trouve ça merveilleux parce que quand je vois la vie puis que je trouve la vie devant mes yeux tellement belle, quand je suis dans la nature, juste dans mon jardin, puis que je regarde les couleurs, les formes, puis je suis émerveillée par la beauté de la vie, par la création naturelle, si on veut, ben ça m'émeut. Puis pour moi, c'est des émotions qui sont positives, donc en fait, j'aimerais ça que tout le monde puisse ressentir ces choses-là comme je les ressens, parce que pour moi, c'est comme hyper positif. Après, comme ils ont dit tantôt aussi, c'est sûr que quand ça va pas, là, tu peux ressentir tout plus intense. Mais bon, j'essaie toujours de faire super attention à moi, puis ma santé mentale, puis je suis bien entourée, je suis chanceuse, donc voilà. Si je vous ai pas convaincu avec mon petit speech tantôt, je suis tombée encore là sur une quote Pinterest. Désolée de tout aller vous chercher mes citations là, mais c'est comme un sujet que j'ai pas lu là-dessus encore justement. Je sais qu'il y en a des livres sur l'hypersensibilité, mais ça c'est quelque chose que j'ai pas décidé vraiment de travailler, parce qu'on dirait bien que je l'accepte. Mais ouais, des petites phrases comme ça sur Pinterest, j'ai trouvé aussi tantôt. La sensibilité n'est pas une faiblesse, comme beaucoup de gens pensent. La sensibilité, ça nous permet d'expérimenter une profondeur à la vie. La sensibilité, ça nous permet d'écouter nos plus grands rêves et désirs. C'est cette sensibilité-là qui nous permet aussi de voir la beauté intricate, c'est quoi, non? Intrinsèque? Non. Je sais plus. Et la divinité de la vie, mon Dieu, c'est donc bien beau. Et c'est ça, moi je vois ça comme du positif aujourd'hui. Alors j'espère que si vous êtes aussi une personne hypersensible ou même sensible, vous allez voir un peu d'espoir aujourd'hui dans mon petit monologue. J'ai vraiment hâte de vous entendre parler sur le sujet plus bas, de communiquer avec vous là-dessus. Puis soyez bien ouverts de le faire, parce que comme vous venez de vous en rendre compte, moi je suis très 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 ouverte aux sentiments des autres, à ce qu'ils vivent, et je suis jamais comme dans le jugement par rapport à ça, parce que vos émotions sont valides. Vos émotions, c'est une des seules choses au monde qui vous appartient et que personne peut vous dire comment vous devriez vous sentir, que vous alliez bien en ce moment ou pas. Ça me dérange pas, je veux juste vraiment que vous partagiez vos expériences et vos connaissances par rapport à ça dans les commentaires, comme ça on va pouvoir faire une belle discussion sur le sujet. Et écoutez, moi j'ai d'autres choses à faire après-midi, donc je pense que je vais vous laisser, mais de toute façon je sais que j'ai blablaté en masse. Mais ouais, franchement, ça m'a fait vraiment du bien de vous partager tout ça aujourd'hui. J'espère vraiment vraiment que vous allez avoir appris des petits trucs aujourd'hui, ou que je vous aurais fait peut-être du bien, ou que je vous aurais fait réfléchir si vous êtes pas quelqu'un de sensible. Vous avez vraiment le droit aussi de donner votre opinion si vous êtes quelqu'un de pas très sensible et que vous voulez me partager votre vision par rapport à ça. Comme je dis, on n'est pas là non plus pour essayer de changer les autres en ce qu'on voudrait qu'ils soient. Mais c'est ça, je voulais juste un petit peu lever le voile sur ce sujet, parce que il me semble que personne ne parle de ça jamais. Puis on entend souvent parler des sensibles, mais pas des hypersensibles, que c'est ça, c'est encore à un autre niveau. Donc vraiment vraiment hâte de lire vos commentaires, et puis sur ce, ben je vous embrasse, puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures ou de prochains speeches. Ok, bye bye! Haha, j'ai l'impression que je viens de faire mon propre un vrai selfie avec Cici, la psychologue, et la patiente, les deux en même temps. Voilà. Bye bye!